Donc le blues numéro 2 de Burton Sutherland initialement est accordé deux tons en dessous. Donc mon mi est en do, mon la est en fa, mon ré est en si bémol, mon sol est en mi, mon si en sol, mon mi en do. Voilà, donc c'était assez courant de s'accorder très bas à l'époque. Ce qui était repris par Hendrix, plein de gens, mais pas si bas quand même, pas deux tons en dessous. Souvent un ton en dessous, un demi-ton en dessous. Faire tourner ce riff autant de fois qu'on veut. Alors, faut pas hésiter à mélanger hein, les clichés, de prendre la moitié d'un cliché et le mélanger avec un autre. Ah, pardon. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Extrêmement difficile à faire swinguer, malgré son apparence simplicité. C'était donc une récap du blues numéro 2, accordé deux tons en dessous, d'après Burton Sutherland. Merci.